Bon, c'est une variété qui, soi-disant, d'après les dires de nos ancêtres, qui a été importée d'Algérie par une personne de Vars. C'est pour ça qu'on appelle cette prune-là Reine Claude de Vars. Moi, quand j'étais gamin, où il est volé, où il fallait être bien connu, parce qu'il y avait Vars, le bourg de Vars, qui en avait. Il se volait des drageons au pied des arbres. Alors, c'est un prunier qui est franc de pied. Il se reproduit par drageon ou par noyau. Jusqu'à Hautefort, il arrive à en pousser quelques-unes, mais ça reste vraiment une zone bien délimitée. Passé Hautefort, vous n'avez plus de prunes de Vars. C'est là qu'il y a des prunes normalement. Dans cette variété-là, Reine Claude de Vars se situe dans la première quinzaine de juillet. Mais on arrivait sur certains arbres isolés. Je dis isolés, on a ramassé 200 kg de prunes dessus. Mais maintenant, non. Maintenant, c'est 50-60 kg par arbre. Puisque ce sont des vergers, les arbres sont rapprochés, sont taillés beaucoup plus bas. On prenait des échelles de 6 mètres il y a 20 ans pour ramasser les prunes. Il y a 20 ou 30 ans de ça, la commercialisation était facile, il ne s'agissait que de produire. Et on vendait, alors on ramassait cette prune très précoce, juste quand elle commençait à dénoyauter. On l'attrapait, les expéditeurs venaient sur place, et juste quand elle dénoyautait, ils nous la faisaient ramasser. C'était une prune qui allait à la transformation, spécialement pour faire de la pâte de fruits. Moi j'ai eu ramassé dans la propriété 40 tonnes de prunes de Vars, en commençant le 1er juillet et finir le 15 août. Une année de récolte de prunes m'a payé un tracteur neuf. Oh, maintenant, il faudrait 10 récoltes, 50 récoltes de prunes pour payer un tracteur. Moi, j'ai eu vu dans un certain temps, certaines années, mettre les prunes vidées à terre dans des wagons à bestiaux pour partir en Belgique. C'est plus que ça a été parce que, bon, vous avez vu à Aubjoie, il y avait combien d'expéditeurs, prunes d'expéditeurs. Tout le monde a mis la clé sous la porte, a arrêté, on n'a pas trouvé de repreneur. Ben, la préférée, c'est la prune de la région, c'est la Reine Claude de Vars.